c'est Lorraine et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec un nouveau sneak peek d'un diamond painting que Diamond Art Club m'a envoyé pour les soldes du Black Friday. Ils vont sortir un grand nombre de toiles et je vais vous en présenter plusieurs sur la chaîne cette semaine. Et le premier qu'on va regarder c'est Iris of the Rainbow en diamant carré. Mais avant qu'on regarde la toile, je voulais vous donner les informations à propos des heures de sortie en fait, vendredi le 25 novembre. Donc eux, ils m'ont donné l'heure normale du Pacifique PST en fait. Donc c'est minuit pour les membres diamant seulement. Et à 6h, c'est pour le public général, mais peut-être que ça vous dit rien. Donc moi, je vais vous donner les heures au Canada, dans les provinces de l'Ontario et du Québec, et les heures en France. Donc pour les gens qui sont au Canada, on va commencer avec ça. Province Ontario, Québec, ça va être 3h du matin pour les membres diamants. Public général, ça va être 9h du matin. Maintenant, en France, pour les membres diamants, ça va être 9h du matin que ça va sortir. Et pour le public général, ça va être 15h. Donc j'espère que ce que je vous ai dit fait du sens. Peut-être que je vous mettrai, vous savez quoi, une image maintenant pour vous redonner les heures en fait pour le Canada et la France. Peut-être que ça va être beaucoup plus... Peut-être que ça va être plus facile pour vous de comprendre. Mais c'est ça, il y a des heures assez spécifiques pour les soldes du Black Friday. Alors, celui qu'on va regarder aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un DP en diamant carré qui s'appelle Iris of the Rainbow de Meredith Dillman. J'en ai déjà un de cet artiste que je pense ne pas vous avoir présenté sur la chaîne encore. Ou peut-être que oui, je ne sais plus. Mais celle-là, elle est très belle d'image. Regardez toutes les couleurs qu'on a. Elle est magnifique. Donc, diamant carré, comme je vous l'ai dit, 65 par 83. Donc ça va être une nappe. Et il va y avoir des AB, il y a marqué AB juste là. Donc la boîte se présente comme d'habitude avec les instructions à l'endos qui vous explique comment faire le DP. Et il y a une petite liste qui vous explique ce qui est contenu dans le kit. Alors on va ouvrir ça et regarder la toile. Alors on a un nouveau toolkit parce que c'est une de leurs nouvelles toiles. On a une petite étiquette autocollante et on a le diamond painting. Ouf, il est lourd, mais en même temps pour cette taille, ben ouais, je m'attends à voir beaucoup de diamants. Donc la petite étiquette autocollante, comme d'habitude, ça vous donne le nom de l'image, le nom de l'artiste, l'image, mais elle est toute petite. Mais c'est pas grave, moi je la mets sur le rebord de la boîte. En tant que référence, ça vous dit bien que c'est du carré 65 par 83. Donc ce que je fais moi, c'est que je le mets sur le bord de la boîte. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Parce que comme je le dis très souvent, mes boîtes, je les empile. Vous voyez, je les mets là. Il y en a qui les mettent dans des cahiers de suivi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, mais c'est pratique à avoir en tant que référence, en fait, je trouve. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le toolkit. Donc je le rappelle, pour les soldes du Black Friday, je pense, je ne suis pas sûre. Étant donné que ce sont des nouvelles toiles, ben, vous allez certainement avoir un des nouveaux toolkits. Si vous achetez des toiles qui sont sur le site depuis un certain temps, ça se pourrait que vous ayez l'ancien toolkit. Alors, on va regarder le toolkit, mais le washi et l'aimant. C'est ça que je suis intéressée. Mais je vais présenter le toolkit vite fait pour les gens qui n'auraient jamais commandé sur ce site. Il y a tout qui tombe en même temps. Donc, on a que je mette ça dans l'ordre. Le washi, on peut le mettre là. L'aimant, on va le mettre là. Ah, je ne l'ai pas, celui-là. On va mettre le stylet là avec les embouts là, ça et ça. Super. Donc, c'est ça. On a un stylet. Donc, ça, vous en avez besoin pour faire du DP. Ça vous permet de coller, de prendre les diamants en fait. Il y en a qui prennent les diamants avec les stylets. Il y en a qui prennent les diamants avec les pinces. Voilà, je descends un petit peu la caméra. Et ça, c'est la petite mousse que vous pouvez mettre autour du stylet. Ah, elle rentre bien là, vous voyez. Et ça permet d'être plus confortable en fait quand vous faites du DP. Et là, vous avez des embouts où vous pouvez mettre plusieurs diamants. Vous alignez plusieurs diamants, ça vous permet d'en mettre 4 à la fois et 7 à la fois. Et vous pouvez les mettre là. Et du coup, vous mettez la cire dans la fente. Qu'est-ce que j'ai là? C'est rien. Là, il y a les cires que vous allez mettre dans les embouts du stylet. Il y a deux morceaux. C'est une cire de bonne qualité, c'est ce que j'utilise tout le temps. Vous avez le plateau dans lequel vous allez mettre vos diamants. Il est transparent avec des paillettes. Et il y a le petit stopper que vous pouvez mettre ou enlever
Si vous mettez des diamants et que vous voulez bien agiter, ben vous pouvez toujours mettre le stopper là pour éviter que les diamants ils partent. Vous avez une pince. Je crois que les pinces viennent seulement avec les kits en diamants carrés. Ce sont des pinces qui sont bien pointues, comme vous pouvez voir. En revanche, celle-là, je ne sais pas si. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être avec ces pinces. Ouais, je pense que. Je ne sais pas. Il va falloir que je les essaye. C'est bizarre parce que vous voyez, ça ne s'ouvre pas. Ça se ferme, mais je ne sais pas, il va falloir que je les teste, celle-là. On a aussi des sachets refermables. Donc, vous allez voir tout à l'heure, les diamants ne viennent pas en sachets refermables, ils viennent en ribambelle. Donc, ça, c'est pratique à avoir. Il y en a qui utilisent ça pour mettre les diamants en début de projet. Et il y en a qui, comme moi, qui utilisent ça en fin de projet pour garder les diamants à la fin, en fait. Donc, moi, ça, je garde. Et ensuite, on vous donne du washi tape. Il est beau celui-là, je pense pas que je l'ai. Il est tout pailleté, jaune et argenté. Et ça, donc, vous pouvez soit le mettre sur le contour de l'image, en fait, là où il y a la colle qui dépasse un petit peu, ou vous pouvez faire des petites sections sur votre DP. Des sections plus petites pour travailler dessus. Et l'aimant, je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Regardez comme il est mimi. Je l'ai pas celui-là. Et là, donc, c'est ça. Il y a la partie aimant. Donc, je vous montrerai comment l'utiliser. Je vais le garder à côté d'ailleurs pour ne pas oublier. Et du coup, le reste, vous savez quoi? Je vais juste le remettre là-dedans pour l'instant. Et ensuite, ben, je trierai tout ça en fait. Ouais, je trierai ça. Là, et le washi tape. J'ai un système d'organisation dans lequel je les mets. Voilà au niveau de ça. Alors, la toile que j'ai hâte de voir. Elle est grande, 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 celle-là. Voilà. Là. Donc, Diamond Club, je le rappelle, c'est tout doux, hein, à l'endos. C'est vraiment doux, doux, doux. C'est bien fini. Ce sont des toiles de très bonne qualité. Regardez là, c'est tout ondulé. Il y a des petits trous pour éviter que ça parte en fait. Parce que les toiles, de temps en temps. Si c'est de moins bonne qualité, ben, il y a des morceaux qui peuvent partir de toile. Mais ce n'est jamais le cas avec Diamond Club. J'ai jamais eu le problème. Alors, on la regarde dans ce sens-là. Oh, wow. Déjà, là, la robe, elle est magnifique. Mais là, le truc, c'est qu'il va falloir que je dézoome. Parce que sinon, vous n'allez pas la voir au complet. Voilà. Donc, comment est-ce que vous allez voir ça? Je vais faire de mon mieux pour que vous la voyez au complet. Oh waouh! Oh my god, elle est belle! Et c'est ça, j'ai eu la possibilité de les choisir. Donc je suis super contente parce que je sais que ce sont des images que je vais faire éventuellement. Regardez ça. Mais alors il y a beaucoup de blocs. Hein. Pour ceux qui aiment les blocs, c'est ça que c'est. Les diamants, ils sont magnifiques. Oh, regardez-moi ces couleurs de malade. Ce sont des couleurs pastel qui sont très, 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 très belles. On va les regarder en détail tout à l'heure. Mais avant de regarder la toile en détail, hein, là j'aimerais que ça en fait ça se replie. Donc vous savez quoi? Je vais peut-être mettre les diamants comme ça pour peut-être que ça aide que la toile s'aplatisse plus rapidement. Mais ouais, vous la montrer au complet, c'est pas facile parce qu'elle est immense en fait. Voilà, comme ça. Mais avant de la regarder, donc je voulais juste parler de ce papier qu'ils vous donnent. Donc je vous le montre à chaque fois. Ça, c'est le petit papier qu'ils incluent dans tous leurs DP. Donc ça vous dit merci de Angie, c'est la fondatrice de Diamond Art Club. Il y a un petit texte qui vous explique ce qui est contenu dans le kit. Là, vous avez une partie de conseils et astuces. D'ailleurs, vous voyez, ça vous dit comment utiliser le washi tape. C'est ça que ça vous dit. Hein. Sur le contour en fait de votre image. Donc vous voyez là sur le contour de l'image, de temps en temps ce qu'il se passe c'est qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse et du coup ben, il y a des trucs qui ont tendance à se coller quoi, si vous avez des animaux ou quoi. Donc il y a des gens, et moi c'est ce que je fais d'ailleurs, qui prennent le washi tape et qui le mettent vraiment sur le contour de l'image comme ça. Et vous pouvez faire aussi des sections, donc admettons vous pouvez le mettre comme ça là et travailler sur une section à la fois, enlever votre fiche plastique et travailler avec ça. C'est pas ça que je vous montrais, c'est ça. Donc oui, il vous dit comment utiliser le washi tape, il vous explique les multiplaceurs et tout. Il y a un petit coupon de 10%.
Là, il y a une vidéo explicative qui vous explique comment faire du DP. C'est une vidéo qu'ils ont fait eux et qu'ils ont postée, je pense, sur YouTube. Il y a un groupe VIP Facebook, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'y fais partie et puis c'est un groupe qui est assez cool. Ça vous montre tout en fait. Les gens vous montrent les DP qu'ils ont reçus, les DP sur lesquels ils travaillent, les DP finis, les... Il y a plein de choses sur ce groupe, donc c'est un bon groupe, moi j'aime bien. Là, il y a les instructions, encore une fois, c'est un peu plus détaillé. Et là, on a le lien vers les applications pour Android et iPhone. Donc voilà ce qu'ils incluent sur ce feuillet. Et le deuxième papier qu'on vous donne, c'est pour moi quelque chose de super important parce que ça a tous les symboles. Et ça, je l'utilise. Donc, tout est autocollant. Je ne sais pas si je vais arriver à le détacher pour vous montrer. Mais c'est vraiment toute la feuille au complet, pardon, qui est autocollante. Non, j'y arrive pas. Mais c'est ça, tout est autocollant. Donc, si vous détachez là, vous pouvez coller, par exemple, tout ça dans un cahier de suivi. Là, vous voyez, on a une image de plus grande taille. Donc, il y a le nom de l'image, le nom de l'artiste, date de début, date de fin, une image, comme je vous ai dit, de bonne taille. Regardez comme elle est magnifique. Oh, j'ai adoré, là, cette palette de couleurs. Et bon, vous savez que j'adore les fées et tout, là. Mais là, il y a tout ce que j'aime. Il y a une fée, on voit bien ses ailes, ses cheveux, tous les papillons. Et alors, toutes les couleurs, j'ai adoré ça. Là, on a les informations à propos du DP. Et ça nous dit qu'il y a 57 couleurs au total. Vous voyez, ça va de 1 à 57. 1 là, 57 en bas. Deuxième colonne, c'est les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Et le troisième, c'est les codes DMC. Je le répète parce qu'il y a encore des gens qui posent des questions, en fait. Je pense des gens qui commencent à perdre du DP, hein. Donc là, par exemple, si on regarde sur les diamants, le 3865. Eh bien, vous regardez sur la feuille et le 3865, il est là. Ben, vous allez le poser sur ce symbole. Voilà, c'est tout simple. Le DP, c'est vraiment simple et c'est pour ça que j'aime ça. Et tout ça, vous voyez, ce sont des étiquettes autocollantes, tout comme le reste. Mais ça, ce qui est cool, c'est que c'est prédécoupé. Vous voyez? Je le soulève là. Donc, du coup, si jamais vous voulez mettre vos diamants en boîte, eh bien, sur vos boîtes, ben, c'est prédécoupé, c'est déjà prêt à être mis. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, ben, c'est rapide. C'est très rapide. Et ce qu'ils font des Diamond Club, c'est que pour les DMC, donc cette colonne-là, qui sont en dessous de 150, ce sont des diamants AB. On va les regarder tout à l'heure. Donc, c'est AB pour Aurore Boréale. Et ils mettent une couche à la surface. Il va y avoir un blanc, un violet, un rouge et un bleu. Je ne sais pas si. Ah, ben, le blanc, on le voit bien là. Vous voyez à la surface. Ça brille différemment comparé à ça. Vous voyez ces reflets? Ben, c'est ça un AB. Donc là, on voit le bleu. Là, on voit le rouge. Là, on voit le violet. Et le blanc, il va être quelque part. Quelque part là-dedans. Peut-être là. Ça se pourrait. J'adore la palette de couleurs dans ce DP. Et voilà. Donc, ils utilisent une variété de symboles, là, des chiffres, des lettres, des petits dessins. Tout est bien imprimé. Je vous montre ça, comme ça vous pouvez voir. Mais ouais, tout est bien imprimé. Si jamais il y a un problème, je vous invite à les contacter, hein. Moi, si jamais il y a quelque chose, je les contacte, mais ça fait depuis longtemps que j'ai pas eu de problème avec mes toiles de Diamond Art Club, donc. Mais ouais. Donc, la toile. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer encore une fois. Voilà, donc ça c'est le mieux que je puisse faire parce que sinon après vous voyez la panique sur la table et j'ai pas envie que vous voyez ça. Donc du coup je vais la déplacer petit à petit pour vous présenter la toile pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Diamond Art Club. Donc on a tout en haut leur slogan. Là je la roule petit à petit pour la déplacer. Voilà. Leur slogan, Do What Makes You Sparkle, juste ici, ça dit Diamond Art Club. Donc si vous voyez ça sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, vous savez que c'est cette marque. On a une légende ici et on a aussi une légende ici. Et la légende, elle contient toutes les informations qu'on vient de voir. Donc vous avez le nombre de couleurs, vous avez les codes ou les symboles et les codes DMC. Il y a là un petit texte qui vous explique que vous avez une garantie à vie. Donc si jamais vous avez des problèmes, je vous invite de les contacter soit par email, juste ici, ou soit sur Facebook, sur Messenger. Là, ils ont les réseaux sociaux, ils ont une page Facebook, ils ont une page Instagram. Donc, je vous invite à les suivre sur Facebook et Instagram parce que c'est là où ils vont vous mettre
tous les sneak peeks en fait, donc toutes les toiles en avant-première avant leur sortie sur leur site, que ça soit pour le Black Friday, que ça soit leur sortie habituelle du samedi. Il y a un code de 10% juste ici, et là on a les informations à propos de l'artiste. Donc je rappelle que Damien Art Club, tout ce qu'ils vendent c'est légal, c'est-à-dire que ce ne sont pas des images volées. Ils ont eu le ok de Meredith Dillman de convertir cette image en particulier en diamond painting. Et Meredith a aussi donné, ben oui, elle a donné son accord, mais elle est aussi payée en fait par, comment on appelle ça? Elle reçoit des commissions en fait sur chaque vente. Donc ça c'est important dans le monde du DP parce que malheureusement, ben, il n'y a pas toutes les compagnies qui respectent les droits d'auteur. Et là c'est ça, ça dit que ça a été fait à travers Tate, hein, Tate Licensing, et ça vous donne les informations de la toile, le nom et la taille. Au niveau des symboles, vous savez quoi? On va les regarder maintenant parce que j'ai la toile comme ça en ce moment. Donc, je vais vous montrer ça et ensuite, je vais vous parler du bloc et des confettis. Donc, ce que je vois là, c'est bien lisible. Là, c'est un gros bloc. Donc, je vais vous parler du bloc et des confettis. Donc, bloc, vous voyez, c'est quand on a le même symbole sur une grande surface. Confettis, c'est quand on a un mélange. Par exemple, là, vous voyez sa robe, c'est plein de symboles différents. Donc, vous allez changer de diamants assez souvent. Donc c'est ça qu'on appelle du confetti. Donc je vais en parler dans une petite minute. Je veux d'abord vérifier les symboles avec vous. Là tout est beau. On va vérifier quelques parties du DP. Juste pour s'assurer que tout soit beau. Là c'est beau. Là c'est beau. Bon, les symboles pâles sur des fonds foncés de temps en temps, ça peut être un petit peu flou. Ben flou encore. Moi je trouve que c'est bien lisible là. Je lis tout. Mais de temps en temps, c'est possible que ça soit un petit problème. Mais là, là, c'est beau. De toute manière, moi, je leur ferai un retour si jamais il y avait un problème. Et là, vous voyez les blocs qu'on a là? C'est ça que je vous dis. Alors, du coup, dans cette toile, on va garder la caméra comme ça. Ça va être plus facile. Du coup, vous ne voyez pas la toile au complet là. Je vais la dérouler petit à petit. Donc là, vous voyez dans l'arrière-plan. Et du coup, on voit bien son visage là. On le voit super bien. Donc oui, vous voyez, on a plusieurs blocs là. Ce sont que des blocs. Mais ensuite, quand on arrive dans les papillons, c'est du confetti. Ses cheveux, il y a quand même pas mal de lignes. Son visage et cette partie-là, il y a pas mal de confetti. Je veux voir un petit peu l'image originale. Alors attendez. C'est vrai que l'image originale, elle est tout, c'est tout petit. Regardez son visage. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à mettre tous les détails dans son visage. On voit même les petites fleurs qu'ils ont essayé de... qu'ils ont converties. Donc ça, c'est bien. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés pour une taille aussi grande. Parce que sinon, on n'aurait pas eu les détails là-dedans. Donc ouais, c'est vraiment du confetti dans cette section-là. Là. Et même dans cette section-là. Les cheveux, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser... les multiplaceurs. Alors ensuite, on va dérouler la toile petit à petit, comme ça. Voilà. C'est ça que je vous dis, c'est pas évident avec une grande toile comme ça. Mais elle est magnifique, elle est très jolie. La robe, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. Encore une fois, c'est un mélange, parce que je vois des lignes là, donc on peut utiliser les multiplaceurs. Mais il y a aussi du confetti. Donc, c'est un mélange ligne-confetti, mais je dirais que c'est plus confetti. Dans ses ailes, c'est plus du confetti. Mais dans le bas de sa robe, je dirais qu'il y a plus de lignes. Vous voyez les parties blanches, là? Ça, c'est du bloc. Mais les lignes plus foncées, violettes, c'est du... Ben, il y a certaines parties, vous pouvez utiliser les multiplaceurs si vous aimez utiliser les multiplaceurs. Mais là, vous voyez, on continue dans l'arrière-plan avec beaucoup de blocs. Et ses pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle porte sur les pieds? Parce que là, moi, on s'entend, je la regarde, je suis à même pas 20 cm. Ben, 20, ouais, 30 cm peut-être. Ce sont des chaussures. Donc, certainement de loin. Ouais, à la caméra, on arrive plus à distinguer. Moi, pour moi, c'est très pixelisé parce que je suis tellement proche. Mais le DP, comme je le répète souvent, il faut les regarder de loin. Donc, c'est ça. Donc, oui, ils ont fait vraiment bloc au niveau du contour de la toile. Je vais dézoomer encore pour vous la montrer au complet. Voilà, là, vous la voyez presque au complet. Là. Elle continue, c'est ça le truc.
Ah, là, vous la voyez au complet. Nickel. Regardez comme elle est magnifique. Elle est belle. Je pense qu'elle va être magnifique terminée, cette toile. Elle va être vraiment belle. Je compare l'image originale avec le DP et j'ai vraiment hâte de voir la conversion. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Ben, la conversion. Ce que je veux dire, c'est la toile avec les diamants dessus, en fait. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est du diamant carré. Hein. Je vais tester la colle vite fait avec vous. Mais normalement, les toiles de Damien Hercule, il n'y a pas de problème. Non, ça colle très bien même. Et ouais, elle est de très bonne qualité. Vous voyez, elle est déjà plate. Donc c'est ça. Si vous mettez vos diamants d'un côté de la toile, là où c'est un petit peu, ça se relève un petit peu, vous placez vos diamants là pour quelques minutes, ça va aplatir le DP. Et vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Donc c'est un matériel qui se manipule bien là. Je veux dire, c'est. Comme j'ai dit, c'est doux, ça se voyait, ça se manipule très bien. Il y a pas de problème avec ça. Donc voilà. Voilà pour la conversion de ça. Et on voit tous les détails. Ils ont même mis les papillons qu'on retrouve dans l'image originale. Oui. Et c'est ça, les papillons là-bas. Les cheveux. Les cheveux, on voit très bien aussi qu'il y a comme un dégradé là au niveau des couleurs de ses cheveux. Ah, j'ai hâte de la faire, celle-là. Elle va être magnifique une fois faite. Donc ouais, je pense qu'on a tout vu au niveau de la toile. Donc je pense qu'on peut passer au diamant. Et ensuite, je vais vous dire où se placent les AB. Alors, pour les diamants, du coup, ce que je fais, c'est que je passe à travers tous les diamants pour ceux qui aiment regarder ça. Donc je vais peut-être juste revenir en fait comme ça. Voilà. Donc vous voyez, il y a le numéro de modèle qui est juste là, 3907 SAB. Et normalement, oui, on le retrouve là, vous voyez, et sur le bas de la toile. Donc du coup, vous avez la référence sur la feuille, sur le DP et sur les diamants. Donc j'ouvre ça et je reviens tout de suite. Alors, la palette de couleurs, là, voilà. Regardez-moi ça. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup cette palette de couleurs où ce sont des tons plus pastels. C'est magnifique. C'est très joli. Ah, je ne vous ai pas montré comment utiliser l'aimant. On le fera après, quand on regardera le placement des AB. Mais voilà au niveau des couleurs comme ça en fait. Alors, les sachets sont bien bien pleins. Mais en même temps, pour la taille de l'image, ben, ça ne m'étonne pas. Donc on a une ribambelle qui est là. On en a une là. Une barre, 4, 5 et 6. Donc avant de commencer, ce que je vais faire, c'est prendre un ciseau parce que moi, ce que j'aime faire au fur et à mesure, c'est enlever les AB pour les avoir tous ensemble à la fin. On va commencer peut-être avec cette ribambelle dans laquelle on a de super belles couleurs. Regardez ça. Des couleurs très pâles dans cette ribambelle. Alors, on a du 827, on a deux sachets. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je peux vous montrer la qualité vite fait. Donc, on a des endos qui sont bien plats. Ce sont leurs nouveaux diamants. Donc, on a des diamants à 13 facettes. Et ça se pourrait que vous ayez dans ce kit des diamants de 26 à 26 facettes aussi. Là, ils ont commencé à faire des diamants avec 26 facettes. Et ce que j'ai vu d'après les photos qu'ils ont partagées avec nous, les youtubeurs là qui font les sneak peeks en fait, ils nous ont partagé une photo. Et ce que j'ai remarqué sur les diamants avec 26 facettes, c'est que le dessus est plat. En fait, vous voyez toutes les facettes, mais vraiment, il y a une facette au-dessus du diamant, tout en haut, qui est vraiment plate. Là, je ne le vois pas. J'essaie de. J'ai l'impression que ça l'est, en revanche. Mais à la caméra, je ne sais pas comment je vous montrerai ça. Ouais, j'ai remarqué qu'en fait, le haut, en fait, il est plat. Comparé au diamant avec 13 facettes. Mais sinon, prenez une loupe, si ça vous tente. Et regardez si vous arrivez à déterminer s'il y a 13 ou 26 facettes. Alors oui, ce que je vous montrais, c'était la qualité. Donc ouais, Diamond Art Club, les nouveaux diamants, moi j'adore, je fais le DP Mystère. Et vous savez, hein, je prends un immense plaisir à travailler dessus. Les diamants sont d'excellente qualité, on a des endos qui sont bien plats.
Les rebords, ils sont bien lisses. Ce sont des diamants en résine de très bonne qualité. Et ils s'enclenchent très bien en fait les uns dans les autres. Donc, et ils brillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc moi j'adore les nouveaux diamants. Donc on a deux sachets de 827. Et là, le petit trou que vous allez voir des trous dans chaque sachet. Ils font ça pour éviter d'avoir de la statique. Voilà, si jamais vous vous posez la question. Donc au niveau des couleurs, on a deux sachets de 827, du 951. 3756, on a combien de sacs? On a 4 sacs de ce DMC là. Voilà. 3770, on a 2 sacs. Ensuite, on a du 745. Vous voyez, les sachets sont bien remplis. Hein. Et le 3865, donc vous voyez, c'est un... On dirait presque du 5200. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 8 sachets de celui-là. Mais en même temps, je crois qu'on le retrouve beaucoup dans l'arrière-plan. Et ensuite, on retrouve 2 sachets de 819. Voilà. Donc ça, c'était vraiment des couleurs très pâles que je pense on va retrouver principalement dans l'arrière-plan. Ensuite, alors là, je vois un AB. Je vais l'enlever maintenant. Et là, je vois un deuxième AB, le violet, que je vais enlever aussi. Je vais vous les présenter après. Donc dans cette ribambelle là, du coup j'ai enlevé deux diamants, mais ça c'est pas grave, ben deux diamants, deux sachets de diamants. On a deux sachets de 3755 et deux sachets de 963, cette couleur est très jolie, je l'aime beaucoup. Ensuite on a du 3325, on a deux sacs, 340 et on a deux sacs de 818. Qui est très beau aussi. J'adore le rose hein, en DP. J'avoue que c'est pas une couleur que je porte, mais pour le DP, j'adore travailler avec le rose. On va continuer avec celle-là parce que dans celle-là aussi, on a pas mal de. On a des sachets un peu plus gros. Donc vous... là, ça vous permet de voir la palette de couleurs avant que je vous les présente individuellement. On a le 210, 794. On a deux sacs. C'est magnifique, toutes ces couleurs. Hein. Le 775, pour lequel on a. 4 sacs, voilà, les 4 sacs bien pleins. Ensuite, dans cette ribambelle, je vois des AB. Ben, j'en vois au moins un, donc je vais l'enlever. Il est là, c'est le 103. Je vais l'enlever maintenant. Parce que tout à l'heure, pour m'y référer, pour vous montrer où est-ce qu'ils les ont placés sur la toile, c'est plus facile. Ah ben, je vais faire ça. Donc là, vous voyez, on a du 900 et du 772. Et ça, ça va dans quel sens? Dans ce sens. Donc là, on a du 351, 3854, 824, 893, 955, 3778, 3771, 891, 3721, 3853, 211, 702, 304, 945, 3837, 701 et 826. Et dans la dernière ribambelle, on devrait avoir un autre AB. Oui, je le vois. C'est le blanc. Il est juste là. Donc, je vais l'enlever lui aussi. Juste comme ça. Donc, dans cette ribambelle, on a le 3371 et le 938. Ce sont des marrons qui sont très foncés. Mais je pense que ça va aller dans ses cheveux, ça. Et... on a du 894, 356, 3836, 3835, 301, 3326, 3830, 703, 754, 315, 3722, 221, 902, 699, 550, 209 et du 208. Donc voilà, on a vu les 57 couleurs. Ben, sauf les AB, je ne vous les ai pas montrés en détail. Alors, on a 4 AB dans cette toile. Vous voyez, on a le rouge, le violet, le bleu et le blanc. Donc, AB, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils mettent cette couche à la surface du diamant qui est toute nacrée. Vous voyez comme c'est beau, ça. Là-dedans, il y a beaucoup de roses, je trouve. Mais alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je me demande où est-ce qu'ils l'ont placé, celui-là. On va le regarder dans quelques minutes.
Le rouge, le 103, lui, il a un reflet assez vert, je trouve, hein, sur la surface du diamant. Vous voyez, quand je tourne, je trouve qu'il y a pas mal de vert là-dedans. Ensuite, on a pardon, pas 900, le 126. Ça, c'est le violet. Voilà les reflets qui mettent à la surface. Magnifique. Et le bleu, c'est le 101. Donc le voilà. Il est magnifique celui-là aussi. Allez, ben on va regarder où est-ce qu'ils les ont placés. Et vous savez quoi? Peut-être avant de regarder, je vais vous expliquer comment utiliser l'aimant. Alors, l'aimant. Pour ceux qui n'auraient jamais utilisé un aimant en faisant du DP, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous travaillez sur une section, donc admettons, vous enlevez cette fiche plastique là. Ne l'enlevez pas au complet. Ma cousine, elle a fait la bêtise de l'enlever au complet et de laisser le départ à l'air libre pendant je ne sais pas combien de mois. Donc oui, je ne vous conseille pas de l'enlever au complet, la fiche plastique. Enlevez-la sur une petite portion, et pour la maintenir en fait comme ça, parce que de temps en temps, ça se replie, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'aimant, vous enlevez cette partie-là de l'aimant, vous la mettez en dessous, juste là, placez l'aimant, et vous voyez, ça maintient votre fiche plastique. Et vous pouvez travailler du coup sur cette section qui est juste là. Voilà à quoi ça sert. Moi, j'en utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour maintenir ma fiche plastique comme ça. Alors, les AB. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais dézoomer, ça sera plus facile. Au moins un petit peu. Voilà, comme ça, juste enlever le ciseau. Et on va regarder le placement de ces AB. Alors, si je vais dans l'ordre dans lequel ils sont lissés sur la légende. Et là, donc le 101, vous voyez, c'est le symbole 1 sur la toile. C'est le bleu. C'est celui-là. Et le 1, ils l'ont placé, on dirait, dans les papillons. Donc, vous le retrouvez dans le centre des papillons, juste là. Donc ça, ça va être super beau. Ils l'ont placé aussi un petit peu là, dans les parties bleues, en fait. Hein. Là, j'en vois dans ses ailes aussi, de chaque côté. Donc ça, ça va être super beau. Donc, ouais, on dirait dans ses ailes et dans les papillons. Ensuite, le deuxième qu'on a sur la légende, c'est le 2. Vous voyez le symbole 2. C'est le 103, celui-là. Et celui-là, on le retrouve dans ses cheveux. Donc, on le retrouve, ben, ils en ont mis une tonne là dans ses cheveux. Il y en a dans les papillons qui sont là. Et il y en a dans... ce sont des fleurs, je pense, hein, qu'elles portent. Oui, il y en a dans les fleurs aussi, dans les parties rouges des fleurs. Donc voilà pour le 2. Ah, je crois que le petit papillon, il en a aussi là. Ouais, papillon, il en a. Ensuite, le prochain, c'est le symbole 3 sur la toile, qui est juste là. C'est le DMC 126. Et celui-là... alors, où est-ce qu'ils l'ont mis? Je vois que le 3 est imprimé en noir sur un fond violet. Il y en a pas mal dans le sac. Hein. J'en vois, j'en ai vu là, là, voilà, dans sa robe. Je regarde voir s'ils en ont mis dans les papillons, mais je n'en vois pas dans les papillons. Non, je vois pas de AB. Ça aurait été beau pourtant d'en mettre dans les papillons violets là. Mais j'en ai vu dans sa robe, juste là. Donc c'est un symbole qui est plus pâle. Ah, il y en a un petit peu là, dans le bouquet de fleurs. Il y en a là, dans cette partie-là de la robe. Un tout petit peu en revanche. Ah, ok, je comprends où est-ce qu'ils l'ont mis celui-là. Ok, celui-là, ils l'ont mis dans la robe. Donc le violet plus pâle, il y en a là, il y en a là. Il y en a de partout en fait. Mais c'est plus sous forme de lignes. Ce sont des lignes, lignes, lignes. Ce ne sont pas des grosses sections. C'est vraiment juste des lignes du 3 qu'on voit un petit peu de partout dans sa robe. Donc ça, ça va être trop beau. Ça va être magnifique. Et le 4, donc c'est vraiment le 4 sur la toile, le symbole 4, c'est le DMC 141. C'est le AB qui est blanc. Celui-là, on en a une toute, toute, toute petite quantité. Et il me semble l'avoir vu... où est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu quelque part. Mais je ne sais plus où. Ah oui, dans les papillons. Dans les papillons, il y a comme un truc de 4 dans les ailes, là, ou 2. Donc, ouais, c'est un petit peu dans les ailes des papillons. Pas beaucoup, hein. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez dans les papillons rouges, hein, les petits points blancs. Eh bien, ça, c'est le AB.
Là, il y a des petits points blancs aussi éparpillés. Là, 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 là. Eh bien, il est là. Et je déplace la toile. Il y en a un petit peu là aussi, éparpillés. Juste des points. Et je ne sais pas s'il y en a dans la robe. Dans la robe, je n'en vois pas. Peut-être que j'en verrai en travaillant sur la toile, mais en regardant comme ça, je ne vois pas de trois là-dedans. Donc voilà. Voilà pour les AB. Les AB sur la toile. Donc ouais, elle est super belle. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de travailler dessus. J'adore les couleurs dans cette toile. Et l'image est magnifique aussi. L'image est très, très, très jolie. Cet artiste, je vous mettrai, vous savez, quelques liens vers son site peut-être de Meredith Dorman, elle s'appelle. Elle fait des images qui sont juste trop belles. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà une dans mon stock en bas. Mais ouais, un gros merci Diamond Art Club de m'avoir envoyé ce kit. Je l'adore. Donc merci beaucoup. Et c'est ça. Donc pour ceux et celles qui n'auraient jamais commandé sur le site de Diamond Art Club, il y a un code en barre d'infos de 15%. Mais je suis sûre que les soldes du Black Friday vont être mieux que mon code. Donc je vous invite à... Vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, c'est aller sur le site de Diamond Art Club pour ceux qui ne connaissent pas. Abonnez-vous à votre infolettre et vous allez recevoir des courriels en fait. Donc vous allez avoir des courriels quand il va y avoir des soldes. Mais là pour le Black Friday, je suis sûre que les soldes seront mieux que le coupon que je vous propose. Je crois que les soldes que j'ai moi c'est 15% sur votre première commande. Mais avec le Black Friday, je suis sûre qu'ils vont avoir de meilleurs soldes à vous proposer au niveau de leur toile. Donc ce que je vais faire, c'est que en barre d'infos, au moment où cette vidéo va être publiée, je vous mettrai le lien vers leur site en fait, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont en ce moment sur le site. Et comme je l'ai dit, cette toile et les autres toiles seront disponibles le 25 novembre. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout vu pour ce DP. Donc oui, ben encore une fois, merci beaucoup Diamond Art Club de m'avoir envoyé cette toile. Elle est magnifique. Et si jamais vous avez des questions à propos de ce kit, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires s'il y a quelque chose que j'aurais oublié de mentionner. Et voilà, donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette toile. Est-ce que vous l'achèteriez pendant les soldes du Black Friday? Je serais curieuse de savoir. Mais ouais, moi je pense que si je ne l'avais pas eu en sneak peek, je l'aurais prise celle-là parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, ben ouais, c'est ça. Ben moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!